plus le vaccinateur des lilas. Tu vas voir pour ton AstraZeneca. Bien sûr, ce n'est pas obligatoire, ce serait barbare. Mais si tu ne te vaccines pas, tu seras bon qu'à rester chez toi. Je fais des trous, des petits trous, encore des petits trous. Des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous. Un trou pour un code, il n'y aurait pas d'autre méthode. La liberté, c'est de pouvoir s'exprimer. La liberté, c'est de pouvoir aider. La liberté, c'est ce que je représente. Ces mesures qui ont été annoncées le 12 juillet sont des mesures qui divisent et des mesures qui choquent. Il n'y a pas d'anti-vaccin. Il faut absolument qu'il y ait des vrais vaccins sur le marché et qu'on soigne vraiment la maladie. C'est pas le problème du vaccin, c'est l'injection expérimentale. En fait, quand on dit à un personnel de santé que s'il ne se fait pas vacciner, il est licencié, le 14 juillet 2020, on les décore sur les Champs-Élysées. Et en juillet, le 12 juillet 2021, on les menace de licenciement s'ils ne sont pas vaccinés. On a eu peur pour nous, pour nos patients, pour nos familles. Et ça, on n'en tient pas compte. On n'en tient pas compte. On a la rage. Beaucoup vont démissionner. Et s'il faut tomber, je tomberai à ce moment-là. Mais je ne lâcherai pas avant. Parce que je risque de perdre mon travail. On est en train de diviser. Diviser la population entre ceux qui ont le pass sanitaire qui seraient sains et puis les autres qui seraient donc malsains, c'est un truc de fou. Et moi, ça me fait peur. Et pour être honnête, ça me fait beaucoup plus peur que la Covid. Quand il y a la peur, il n'y a plus de liberté. J'appelle de mes voeux la mobilisation la plus forte, la plus lourde autour de tous nos personnels soignants. Arrêtons de les applaudir, venons les soutenir. Si je tombe, je me relèverai. Pour mes enfants. Quoi qu'il en coûte.